Bon, coucou mon petit Macron et mon petit ministre de la Justice Moretti. Bon, je voulais te dire mon compte rendu d'aujourd'hui du tribunal de la Cour d'appel de Nancy. Je tiens à te dire déjà, quand je suis arrivée, le vigile a été très très gentil, très respectueux. Ça, je conçois. Je suis montée à l'audience parce que je connaissais pas trop bien, parce qu'ils ont tout changé hein, au niveau du tribunal de Nancy. C'est bien, Macron, je tiens à te dire, et toi, Dupond-Moretti, c'est bien, vous avez mis des caméras dans les salles. Ça, c'est intéressant. Maintenant, il faut faire beaucoup d'efforts, parce que maintenant, il faut mettre des caméras à l'intérieur des salles d'audience. Comme ça, on verra la vérité qui est dit. Parce que moi, j'insiste, hein, il faut absolument voter cette loi pour mettre des caméras dans l'audience. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont dites et qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Ça veut dire que quand nous allons au tribunal et que nous allons avec nos avocats et que, j'ai pas oublié l'audience de Bar-le-Duc, hein. Évidemment, ça n'a pas été la même chose à la cour d'appel de Nancy. La présidente, elle a été respectueuse. Bien qu'elle m'a dit que j'avais pas le droit de parler, je suis partie, j'ai parlé quand même. comme mes habitudes, je vais pas changer, non. Mais je me suis ramassée à coup de soleil dehors. Bref. Comme encore, hein, l'avocate de mon ex-mari, hein, de Bar-le-Duc, hein, c'est toujours la même, hein, la petite blonde, là, elle m'aime pas. Elle m'aime pas du tout, du tout, du tout. Macron, elle a osé dire à la présidente des juges des affaires familiales, hein, elle a dit, oui, si vous regardez, madame la présidente, madame Saki a osé faire une vidéo quand elle était sur Bar-le-Duc et elle s'est adressée à monsieur le président Macron. Bon, désolé, hein, Macron. Hein. Mais t'es notre président, non? Pourquoi t'es élu? Je sais pas, moi, ministre de la Justice, pourquoi on vous a élu? C'est bien pour quelque chose, non? On a le droit de s'adresser à vous. De vous dire qu'il y a des choses qui sont bien faites, il y a des choses qui sont mal faites. Moi, je tiens à vous dire que, au tribunal de Nancy, vous avez mis des caméras à l'extérieur, petites caméras à l'extérieur, ça je l'ai observé, et vous avez mis dans les salles dans les salles d'attente d'audience, je précise, il y a des caméras, ça c'est bien, comme à Metz. Thionville, j'ai pas encore visité, parce que j'ai plus d'audience à Thionville. Mais je tiens à préciser qu'il faut une caméra à l'intérieur des salles quand nous plaidons. C'est important. Comme ça, les vipères comme les avocats de mon ex-mari évitera de raconter des conneries. Hein? Parce que elle a dit qu'il fallait pas me rendre les droits de mes droits parentaux. Elle a dit parce que j'étais souvent sur YouTube et souvent sur Facebook. Mais elle n'a pas voulu préciser pourquoi on me les a retirés. Hein. Si elle a dit à la présidente, Madame la présidente, je tiens à vous signaler que j'ai fait beaucoup d'efforts. Elle a fait beaucoup d'efforts. Hein. L'avocate de mon mari, de mon ex-mari, elle a fait beaucoup d'efforts. Vous savez quel effort qu'elle a fait? Le jour d'une audience, elle m'a sortie de prison pour que j'aille au tribunal de Bar-le-Duc. Non, au tribunal de Verdun, juge des enfants à l'époque. Elle a fait beaucoup d'efforts, hein. Mais c'est quand même elle qui m'a fait rentrer en taule, là. Elle l'a oublié, ça. C'est quand même elle, grâce à elle aussi, qu'avec toutes les conneries qu'elle a racontées, qu'on m'a fracassé peut-être la jambe. Moi, je sais pas, moi, ce qui s'est passé. Pourquoi on m'a tapé et pourquoi on m'a abîmé la jambe? Pourquoi aujourd'hui je suis handicapée et j'ai la cotorep? MDPH. Pour préciser, avec les lois, c'est MDPH. Hein? Voilà. Par contre, monsieur, il insiste, il veut que je lui verse une pension pour les enfants, les trois enfants qu'il a à la maison, chez lui. Hein, l'enfant de 15 ans, l'enfant de 9 ans et l'enfant qui a 18 ans, qui travaille et qui est étudiant. Hein, il fait un BTS, il travaille à Auchan, mais monsieur, il veut que je lui verse encore une pension. Hein. Ouais, mais moi, je vous dis, vu qu'il me verse une pension compensatoire sur 8 ans, monsieur veut la récupérer. Hein? Et après, on me dit, Madame Saki, elle fait pas d'efforts, Madame Saki, elle fait pas d'efforts, vous avez vu, Madame la Présidente? Ça, c'est l'avocate de mon ex qui dit, vous avez vu, Madame la Présidente, elle fait pas d'efforts, elle fait pas d'efforts.
Moi, je fais pas d'efforts. Maintenant, je suis sur YouTube et sur Facebook, je dois la déranger. Moi, ce qui m'étonne, c'est que pour l'instant, sur si je regarde bien sur Facebook, parce qu'elle a parlé de Facebook, hein, sur Facebook, il y a que mes que les gens qui sont adhérés chez moi qui regardent. Alors, j'ai dit à ma fille, bah, peut-être que bientôt, je vais la mettre publique, hein, parce que vu que, bon, paraît-il qu'elle regarde, autant que ça soit public. Sur YouTube, c'est public. Tout le monde a droit de regarder. C'est pas interdit. Alors, mon petit Macron, on a parlé de toi encore aujourd'hui. Hein, il y en a marre de parler de toi, Macron. Il y en a marre. Bon, Moretti, on n'a pas parlé de toi aujourd'hui. T'as de la chance. On n'a pas parlé de toi, mais moi, je tiens à parler de toi, Moretti. Tu vois, quand il y a des avocates qui me disent, surtout le parti adverse, qui me dit, je dois faire des efforts. Moi, je dois faire des efforts. Ben, comme j'ai dit, ben, on se retrouve à la Cour de cassation et après, au cours du droit de l'homme. Comme ça, je ferai des efforts. Moi, je fais des efforts. Je vais à la Cour de cassation, au cours du droit de l'homme. Moi, je fais beaucoup d'efforts, moi. Hein? Je sais pas pourquoi j'ai créé ma page de victime de violence conjugale. Hein? Je sais pas pourquoi je devrais, moi, faire des efforts, comme j'ai dit à la présidente, hein, vu qu'elle voulait pas que je parle, mais j'ai parlé quand même. Je lui ai dit, je sais pas qui m'a donné un syphilis. Hein? Hein? Je sais pas qui m'a donné, vous savez, le petit microbe qui est rentré dans mon vagin. C'est pas le Covid-19 qui est rentré dans mon vagin. C'est la syphilis. Et je sais pas comment il atterrit dans mon vagin. Hein? Moi, je sais pas, moi, en prison, hein, on n'a pas de relation, il y a que des lesbiennes. Et d'après ce qu'on sait par la sécurité sociale, la syphilis s'attrape pas entre lesbiennes. Et moi, je couche pas avec les femmes. Alors, je sais pas, peut-être que l'avocate de mon ex, ben, peut-être que c'est une lesbienne refoulée. Elle doit me kiffer, celle-là. Et je tenais à vous dire aussi, hein, Macron, je tiens à te dire, et monsieur Moretti, vous savez, ben, moi, après, quand j'ai fini l'audience, ben, je suis sortie, en face, il y a une terrasse. Ben, j'étais m'installée, j'ai bu un café, j'ai attendu que mon avocate elle sorte, mais elle était encore en train de plaider. Alors, évidemment, l'avocate de mon ex, elle a sorti la tête. Elle m'a vu, elle est re-rentrée dans l'audience. Ça m'a fait plaisir, je l'ai dit à mon avocate, quoi. Elle m'a eu au téléphone. Je lui ai dit, ça m'a fait plaisir, elle a peur de moi. Elle a peur que le loup-garou la mange. Ou elle a peur de ces conneries qu'elle a dit sur moi. Parce que vous savez, moi, je suis pas les gens dehors, vous savez, les gens malades, là, qui viennent et qui tapent sur les gens. C'est pas mon attitude. Ou elle avait peur que devant tout le monde, quand elle sort, que je l'humilie parce qu'il y avait du monde dehors. Ça, peut-être, je l'aurais fait. Avec plaisir. Ça m'aurait fait plaisir de l'humilier devant tout le monde. Parce que elle persiste que je récupère pas mes droits parentaux. Elle persiste. Mais comme je sais une chose, c'est qu'elle a rien contre moi en dehors de vidéos sur YouTube et sur Facebook. Elle n'a rien contre moi. Par contre, je lui dédie une petite dédicace, vu qu'elle regarde mes vidéos. Je lui conseille de bien faire attention à tous les papiers qu'elle a chez elle. De bien faire attention à tout ce qu'elle a fait. Parce que un jour pas comme un jour, ah ben, il y aura une enquête sur son petit cul à celle-là. Et quand il y aura une enquête, la pauvre, elle va terminer comme l'ancienne avocate. Vous savez qu'elle a racheté le cabinet. Je lui prédis ça, moi. Qui a dû partir parce qu'il y a eu tellement de gens qui lui ont couru derrière qu'elle a dû partir. Vous savez, l'avocate qu'elle a racheté le cabinet, si personne ne sait, c'était une avocate qui avait deux jumeaux. Elle a dû partir de Bar-le-Duc, on ne sait pas pourquoi. Parce que moi, je sais qu'il y a des magouilles. Voilà ce que j'ai à lui dire. Et je tenais à dire aussi, Macron, jusqu'à aujourd'hui, j'ai écrit au procureur de Bar-le-Duc, hein, concernant un ben, problème, hein, concernant le gynécologue Dr Bassène, hein, vu que Dr Bassène m'a jamais dit que j'avais la syphilis, et pourtant j'avais un gynécologue qui l'aurait pu me prévenir. Je tenais aussi à dire que ben c'est bizarre, hein. Ben, ton procureur de Bar-le-Duc, il n'a pas bougé non plus ses fesses, hein, Moretti. Alors jusqu'à aujourd'hui, je sais pas comment j'ai attrapé la syphilis. Par contre, je sais comment j'ai perdu ma jambe gauche. Comment j'ai eu les ligaments croisés.
et plus de cartilage. Grâce à tes gradés de mesqueleux, quand ils m'ont défoncé la jambe, tu sais, tes 5 gradés de mesqueleux. Ça, je suis pas prête de l'oublier. Voilà ma petite anecdote. Alors, je dédie cette petite vidéo à l'ex-avocate de mon ex-mari de Bar-le-Duc. Et je lui fais plein de bisous. Alors, Macron, on a parlé de toi encore aujourd'hui au tribunal. T'as pas de chance. Hein. Moretti, on est désolé, on n'a pas parlé de toi. Ben écoute, Moretti, t'as qu'à mettre des caméras, comme tu as dit. Hein. Accélère. Hein. Accélère de mettre les caméras dans les audiences. Comme ça, tu sais la vérité. Personne ne peut mentir sur les dires et sur les faits. Personne ne pourra mentir. Parce que c'est des preuves. Ben oui. Voilà. Sur ce, ben je vous souhaite plein de bisous à tous les procureurs de France. J'espère que vous aimerez ma vidéo parce que j'insiste. Des caméras dans le... quand il y a l'audience. Les caméras déjà dans les salles d'attente, ils existent. Il ne manque plus que les caméras dans l'audience. Et après, bah, après c'est impeccable. Il n'y a plus de soucis. Tout est impeccable. Après, bah, à vous de former les juges, les procureurs et les avocats du futur pour éviter qu'ils prennent les victimes de violences conjugales pour des grosses connes. Parce que moi, faire un compromis avec mon ex, c'est comme si vous me demandiez de lui sucer sa queue à 4 pattes. Et je suis pas prête de le faire. Sur ce, bisous à tout le monde. Vous voyez que je suis très gentille, très cordialement. Hein, ceux qui m'ont pris pour une con. J'ai horreur de quand on me prenne pour une débile. Parce que quand on voit toutes ces femmes qui ont fait des compromis avec leur ex-mari, elles sont tous mortes. C'est dommage, hein. Elles n'ont pas eu la protection de l'État. C'est trop con de signer un compromis, de dire qu'on n'a jamais été une victime et de se dire excusez-moi. Moi, c'est vous qui allez me faire des excuses de toute la misère que vous m'avez fait depuis 2013. C'est vous qui allez me faire des excuses. C'est sûrement pas moi. Vous, les juges, les magistrats qui m'avez jugé et qui m'avez maltraité dans vos tribunaux depuis 2013. Sur ce, je vous souhaite plein de petits bisous. Et bonne vidéo, hein, à celle qui m'espionne, là. L'avocate de mon ex, plutôt. Sur ce, bisous à tous.